j'ai réussi. J'y crois pas, j'ai vraiment, vraiment réussi. Tu as réussi. Toutes mes félicitations, Blip. Tu as bien mérité ta médaille de chef des As du Guidon. Bravo. Maintenant, je crois qu'on peut manger. Ah ouais. Wouhou. J'espère qu'il va nous en laisser un peu quand même. Aujourd'hui, tu t'es comporté comme un chef, Blip. On n'aurait jamais pu récupérer le gros œuf si tu nous avais pas fait prendre ton raccourci. Merci, Ricky. À partir de maintenant, je vais porter cette médaille partout où j'irai. Hein? Oups, ils sont toujours réglés pour ramasser. Hé, hey, rapportez ça tout de suite. J'ai gagné cette médaille. Oh non, on arrive trop tard. Je n'aurais jamais dû prendre cette ampoule. Je vous demande d'applaudir Willow Ford. Qu'est-ce qui se passe, Annie? On doit faire quelque chose et vite. C'est les 100 ans de la ville et j'ai gâché la fête. Désolé, il semblerait que nous ayons un petit problème technique. Oh, on avait pourtant tout vérifié. Ce n'est pas de votre faute, c'est à cause de moi. J'ai retiré l'ampoule, je suis désolée. Mais pourquoi? J'avais envie qu'elle soit parfaite pour le spectacle. Elle était toute grise et je voulais en faire quelque chose d'incroyable. Oh, c'était une bonne idée, mais tu aurais dû nous en parler. Code 54, il est interdit de stationner à cet endroit. Dispersez-vous, si vous voulez voir la place illuminée, revenez dans 100 ans. Et voilà, on n'a plus qu'à rentrer chez nous. Non, Scoutio, c'est pas terminé. On va se servir de la Zoom Cam. Zoom Cam, action! DJ, va lui donner l'ampoule. Nous allons refaire une tentative. Je vous demande d'applaudir Willow Ford. À toi de jouer, Zoom Cam. Après tout, je suis peut-être une lumière pour avoir d'aussi brillantes idées. Merci. D'urgence. Et moi la première. C'est vrai que tu es forte, toute. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? D'accord, mais dis-moi, Ricky, maintenant, est-ce qu'on est assez cool pour que tu t'amuses avec nous? Les amis, vous êtes même trop cool pour moi. Mais vous seriez d'accord de me laisser aussi faire partie de votre groupe? Oh ouais, 4 moteurs, c'est mieux que... je sais plus combien on était tout à l'heure. Je ne sais pas, Ricky, fais voir comment tu bouges. Hop, 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 regarde ça. Bon, qu'est-ce que t'en dis, toute? Eh bien, ça manque de travail, mais on va quand même te laisser une petite chance. Yo, Ricky, me revoilà. Alors, on a fini cette course? J'ai une meilleure idée. Et si tu rejoignais aussi les moteurs? Oh là là, on va devoir agrandir le club de danse. Allez, tout le monde en place, on fait la danse de Wilford. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais.
peuvent être? Le film va bientôt commencer. Allez voir le film, je le verrai une autre fois. Allez, c'est parti toutes, faisons descendre Monsieur Speedy de là-haut. Ouais. Les vrais amis sont comme les deux roues d'une moto. On reste avec toi. On a tous décidé de venir vous aider. Alors on ira ensemble jusqu'au bout. Ricky à la rescousse. C'est parti. Elroy, Caesar, Gadget, allez voir. On a peut-être manqué le film, mais le plus important, c'est qu'on ait retrouvé Monsieur Speedy. On devrait se dépêcher de rentrer voir le film. Mais c'est trop tard, on a raté le début. Ils ont décidé d'attendre que la salle soit pleine avant de commencer à projeter le film. Merci du fond du cœur, grand frère. Je serai toujours là pour toi, petite sœur. Merci beaucoup. Grâce à vous, beaucoup de petites motos seront contentes cette nuit. Je crois que vous avez largement mérité de recevoir vos cadeaux en avance. Oh, oh, oh! Qu'est-ce que vous en pensez? Wow! C'est vrai, génial! Enfin! Je suis sûr que tu sauras t'en servir beaucoup mieux que moi. C'est magique! Ricky, est-ce que tu peux me montrer le meilleur chemin pour sortir de la ville? Tu es prêt? Je suis prêt! On met la gomme! Oh, oh, oh! Allez, vous! Fantastique! Trop chouette, Ricky! Allez, on fonce! J'ai hâte de tout vous raconter quand je me réveillerai demain matin! Joyeux Noël, tout le monde! Passez tous une très bonne nuit! Non, ça, c'est pas un vroom! Vroom! Voilà, c'est ça! Les amis, qui est la moto la plus forte à Wilford? DJ! 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 Prêt? C'est parti! Je fonce! Vroom! Venez, les amis! On va l'aider à tirer ce chat! J'ai pas assez de force pour y arriver. Non, tu te trompes. Il faut juste continuer d'essayer. J'ai pas assez de force, c'est tout. Jamais j'y arriverai, ça sert à rien. Je m'en occupe. DJ, est-ce que ça va?
Le canon à méga ultra rayon fonctionne comme dans la bande dessinée, pas vrai? Allez les amis, je vais essayer encore une fois. Comme dans la bande dessinée. Maintenant j'ai une force incroyable. Mais attends, c'est juste une déco. Chut, pas besoin de lui dire. L'important c'est qu'il y croit. La deuxième sonnerie. DJ, il faut qu'on se dépêche. Il est temps de mettre ce char sur la route. Oh, mais qu'est-ce que t'as fichu, mon vieux? On a dit jamais d'erreur dans la distribution et tu nous fais quoi? Une erreur dans la distribution? Oh, je dois retrouver Ricky et récupérer notre colis! Il faut qu'on repère une moto à sauver. Zoom cam, action! Je ne vois personne qui a besoin d'être sauvé. Le coincer sur un lampadaire. Alors on va aller sauver ça. Accroche-toi, petit pneu. Ricky va te secourir. Pour commencer, je vais mettre la rampe sur la position la plus basse, histoire de m'habituer. Prêt? Attention les yeux. Wow. Tout va bien, Ricky? Ouais, vroomtastique, DJ. J'imaginais pas que ça rebondirait autant. Il a raison. Comment ça rebondit? Il faut que tu t'entraînes un peu, c'est tout. Excellente idée, DJ. Et la meilleure façon de s'entraîner, c'est de trouver quelqu'un à sauver. Suivez-moi. Oh, Ricky! Ricky! Je crois vraiment, moi aussi. C'est toi, papa? Tiens, comme tu l'avais demandé. Qu'est-ce que tu as fait, Loop? Je t'avais bien dit, un, de ne pas ouvrir cette boîte, deux, de me la rapporter tout de suite, et trois, de ne pas t'arrêter en route pour t'amuser. Oui, je m'en souviens, et j'ai essayé de faire comme t'as dit. Il n'a pas seulement essayé, monsieur Hoopla, c'est exactement ce qu'il a fait. La boîte est tombée et s'est ouverte toute seule. Loop est monté sur le Vroomboard pour le rapporter tout de suite. Et il ne s'est pas du tout amusé. Bah, en fait, je me suis un petit peu amusée. Oh, désolé, j'ai peut-être mal compris les choses. Tu as bien travaillé. C'est vrai, papa? Oui, je suis fière de toi. Tu as dû faire beaucoup d'efforts pour finir le travail sans te laisser distraire. Oui, j'ai réussi, je suis restée concentrée. En plus, le Vroomboard n'a aucune égratignure. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à le reprendre et le livrer à la moto qui doit le recevoir. Adieu, Vroomboard. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est livré. Normalement, je devais te l'offrir la semaine prochaine pour ton anniversaire. Mais, comme la boîte est déjà ouverte, profites-en. Non, c'est génial. C'est génial, maintenant tu as le droit de t'amuser avec. Tout le monde ferait mieux de reculer maintenant. Parce que Loup va me mettre la gomme avec ce truc. Là, je me suis pas loupée. J'ai encore du mal à le contrôler. Ok, passe la télécommande et laisse faire les professionnels. Je devrais quand même rapporter le cerf-volant à ma sœur. Allez, encore une minute. Alors voyons, qu'est-ce que Sam d'acier ferait à ma place? Au secours! Je vous en prie, aidez-moi! Il aiderait! Voilà ce
ce qu'il ferait à ma place. C'est parti. Aileron. Viseur. Gadget. Allez, boum. Il y a une crevasse qui m'empêche de passer. C'est une catastrophe. La pire chose qui puisse arriver à une moto. Je rêve. Est-ce que c'est Sam d'acier? Prêt. Rapichou, action. C'est votre rayon anti-gravité, monsieur d'acier? J'y crois pas, Sam d'acier me soulève avec son rayon anti-gravité. C'est un miracle, la plus belle chose qui ne me soit jamais arrivée. Dites-donc, c'est terminé. Merci, Sam d'acier. Oh, génial, je suis allée pile là où il fallait pas. Sam d'acier patrouille dans la ville. Si quelqu'un a besoin d'aide, il sera là pour le secourir. Ricky, mais où est-ce que t'es passé? C'est un code 47. Oh, c'est vrai? Alors, il y a un problème? Du danger? Un problème dangereux? Règle suivante. Quand on se trouve devant quelque chose d'anormal, on s'arrête et on regarde. Je dois regarder quoi? Pour l'instant, attendez-moi ici. Là, nous sommes devant quelque chose de grave. J'ai pas l'impression que c'est un truc sérieux. C'est mon père, c'est tout. Salut, papa! Oh, tiens, bonjour, agent Bunker. Bonjour, Fred, ça va? Bon, surtout reste calme. Calme? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je veux juste vérifier quelque chose. Hé! Hey, je l'ai déjà vu quelque part, cette remorque. Bah oui, c'est la remorque où mon père range tout son bazar. Mais elle cache peut-être un secret. Scuccio, tu peux montrer la page 4 dans les roues de la justice? Oui, d'accord. Ton père transporte le rayon contrôleur de pensée de Mécanoc dans sa remorque. Une fois qu'il t'a touché avec ce rayon, il peut te forcer à faire n'importe quoi. Il faut prévenir l'agent Bunker. Mon père ne m'a jamais dit qu'il avait un rayon contrôleur de pensée. Il n'y a plus aucun doute, Fred. Tu as un code 47. Ta remorque est... Je disais donc, ta remorque est mal attachée. Oh non! Elle va déballer toute la pente! Non, ça n'arrivera pas! Merci, agent Bunker. J'ai juste fait mon travail. Et voilà! Code 0. Tout est rentré dans l'ordre. Non, pas encore! Cette remorque cache un secret, un rayon contrôleur de pensée.